Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme aujourd'hui en ce, je sais plus quel jour, mercredi, j'en sais rien. Ouais, nous sommes le 2 mars, en tout cas ce qui est sûr c'est que nous sommes le 2 mars. Il fait un temps, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ben, si. Alors le 2 mars c'est l'anniversaire d'un de mes scrappeurs du cœur, ainsi c'est l'anniversaire de Sandrine. Alors Sandrine, je t'ai fait ta petite carte, ta petite page. Alors j'ai mis des fleurs, des cœurs, du rose hein, pour changer. Non mais parce que en fait, comment dirais-je, il est marqué sur ta page, je suis pour l'augmentation du goût de la vie. On est tous pour l'augmentation du goût de la vie, car la vie est belle, je ne cesse de le répéter. Hein. La vie c'est beau. La vie c'est bien, hein, et donc en plus on va du côté du printemps, même si aujourd'hui fait moche, il faut de la pluie pour faire pousser les fleurs, si vous voulez que je vous dise, si. Et donc ben voilà, c'est l'amour, c'est les fleurs, c'est la nature, voilà. Donc je te souhaite un très très joyeux anniversaire, j'espère que tu passeras une belle journée, que tu seras gâtée, etc. etc. Voilà, Sandrine, gros gros bisous, voilà. Alors, on s'est quitté hier. Ouais, je suis dans le noir. Ouais, je suis dans le noir. Non, je suis dans le noir, c'est pour une raison. Ah si, c'est juste pour une raison. On va pas prendre du noir d'ailleurs, mais vous allez comprendre. Si. Alors hier, je vous ai dit, tiens, je vais m'occuper de ce ça là, de ces dailles là, de chez Action. C'est sur le thème de la plage. Hein. Alors en fait, je me suis dit, ça va bien. Alors, vous savez, moi j'aime bien habiller les filles. Bah si. Si j'ai loupé ma vocation, j'aurais bien aimé aussi faire la mode, créer des vêtements et tout ça. Voilà, ouais, je vous raconte encore ce qui ne vous intéresse pas, bien sûr. Je m'en fous, c'est pas grave. C'est juste parce que habiller les filles, c'est habiller les femmes et tout, c'est passionnant, quoi. Si, c'est passionnant. Alors donc, je me suis dit, ben les poupettes, là, on va les habiller, hein, et donc on va utiliser ces dailles-là. Bon, ainsi. Je ne les ai jamais utilisées. J'ai ouvert. Vous allez voir que je n'ai rien utilisé parce que, en fait, je l'ai ouvert pour tester, voir l'histoire du maillot de bain. Juste ça, là. Si, si. En fait, je voulais l'habiller. Vous allez voir, j'ai choisi une des poupettes, là. Parce qu'en fait, il y avait sur la plage une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine et elle craignait de montrer aux voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit, teeny weeny, tout petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Son petit, teeny weeny, tout petit bikini, son bikini rouge et jaune à petits pois. Un, deux, trois, six, ma six. Alors, comme elle avait peur de sortir de sa cabine et de choquer les voisins, les voisines, si. Je me suis dit, ben, on va l'habiller, puis c'est tout. Oh là là, parce qu'elle s'enroula dans son peignoir de bain. Si. Pour sortir de sa petite cabine. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, alors, donc voilà, ouais, je sais. Et comme il fait très moche, hein, hier, il faisait pas trop mal. Je me suis dit, ça me donnait envie de faire un truc de la plage. Et aujourd'hui, ça me donne plus du tout envie de faire ça, mais on va le faire quand même. Si. Parce que je vais vous montrer, je vais vous donner, je sais rien, je sais pas. Alors, pour ce faire, donc, je ne vais pas prendre le papier noir, machin, là. Hein. C'est hors de question, je travaille pas le noir aujourd'hui. Non, non, non. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Non, en fait, je vais juste prendre, vous allez voir. Alors, attendez, une image. Moi, je me sers que des. Ouais. Non, parce que je le trouve déprimant, ce papier, moi. Si, je le trouve déprimant, j'ai le droit. Voyez la fille, là. Voyez comment elle a l'air triste, horriblement triste. Si. Alors elle avait peur de montrer son bikini. Si. Bah si. Puis avec son bonnet de plage là sur la tête. Si. On dirait, vous savez, dans les comment ça s'appelle? La famille machin là. Mais si. Comment ça s'appelle? Vous savez là les. Si, il gagne au loto, tout bastringue là. Mais si. Puis elle va chez les bourgeois et puis elle a un bonnet de bain comme ça sur la tête. Si. Si, je vous jure. Oh, mais j'adore. Moi, j'adore, j'adore. Pourquoi je me rappelle pas du nom? On s'en fout. Alors, donc, moi, je vais découper cette petite poupette. Là, je ne fais ça. Ben, si, je fais ça.
Les tuches, hein. Bah, ça me revient. Oh, là, 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 là. Si, les tuches. Bah, les tuches dans l'épisode là où ils vont aux États-Unis voir leur. Je sais pas quoi, je crois que c'est dans celui-là où ils vont voir leur gosse là. Et puis tout ça, et puis c'est son anniversaire, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis tout ça quoi. Si. Alors pour ce faire, je découpe, je la détourne. Déjà, je commence par récupérer. Récupérer la poupette là, hein, alors je la découpe comme ça, voilà, comme ça, si, ben si, comme ça. Et donc nous allons l'habiller. Alors l'habiller, mais on va pas l'habiller que en maillot de bain, hein, parce que ça serait pas drôle. Mais non, parce que comme elle avait peur de montrer son petit bikini, on va l'habiller. Mais ben, j'aime bien faire ça, j'ai droit comme si. Ça ne vous plaît pas? Ouais, je sais. Bambina, bambino. Je sais bien que tu l'adores, bambino, bambino, mais tu es trop jeune encore, bambino, bambino. Va plutôt jouer au ballon, nanina, nanina. Et gratta, gratta sur ta mandoline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, et elle ne te prend pas au sérieux. Je sais bien que tu l'adores, bambino, bambino, et qu'elle a de jolis yeux, bambino, bambino, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, mais ne te prends pas au sérieux. Alors, je sais pas, en fait, je vais prendre une base noire. Ouais, j'aime bien parce que je dis je veux pas travailler le noir et puis je prends du noir. Non, alors non, non, je ne le ferai pas. Je vais prendre du blanc. Si, je vais prendre du blanc, mais comme ça, vous verrez mieux ce que je fais, c'est tellement magnifique. Si. Alors, pour ce faire, donc j'ai découpé la poupette là, hein, je l'ai découpée comme ceci, mais j'ai gardé son machin là, parce qu'on s'en fout, on ne le verra plus normalement. Si mes calculs sont pas trop mauvais, c'est ça. Non, mais parce que la taille est très bien pour utiliser ces fringues-là. D'ailleurs, à mon avis, ils ont étudié la chose pour. Si. Si ça a été étudié pour. Hein. Si. Alors, pour ce faire, je vais prendre une base 20-15. Vous prenez bien le papier que vous voulez, comme d'habitude. Vous verrez que, pff, après, c'est juste, j'avais envie de faire ça. Ouais, j'aime bien faire ça, moi, habiller les filles, j'aime les filles, oh, j'aime les filles, nanina, nanina. Il paraît que c'est la journée de la femme le 8 mars, là, je sais pas quoi, mais la journée de la femme, c'est tous les jours, hein. C'est comme la journée de l'enfant, la journée de pourquoi, la journée de la. Moi, je suis pas trop pour ces trucs-là, hein, vous me pardonnerez, hein. La femme, les hommes, les enfants, c'est leur journée tous les jours, hein. Faut être gentil avec tout le monde tous les jours. Vous avez vu que j'ai mis. Ah ben non, vous n'avez pas vu ma petite Charlotte aux fraises. Regardez, elle est dans son parc. Si, je lui ai fait un petit parc. Si. Un parc pour Charlotte. Si. Si, si, si. Si, si. Elle est là. Puis, je lui ai mis le petit bracelet à ma petite pépette qu'elle m'avait fait. Hop, autour du cou, ça lui fait un joli collier. Si, voilà. Ben, si, je voulais juste vous montrer ça. Voilà, c'est tout. Alors, pour ce faire. Alors. Donc. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais, parce que c'est une base blanche, c'est vrai que c'est un peu tristouné, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour décorer? Parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de faire spécialement du. Qu'est-ce qu'on a quand même comme papier dans cette collection là? Parce que c'est quand même triste, hein. C'est noir, noir, c'est noir. Mais je vais prendre un papier blanc, un papier un peu blanc. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, parce que noir, non, 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 pas de noir. Non, noir, c'est noir, je ne mettrai pas de noir. On va mettre, je sais pas, il n'y a pas une chute de blanc un peu déguisée, un peu déguisée, un peu décorée là. Oh là là. C'est déprimant. Ce papier-là, il me déprime. Si celui-là, il est beau, ça, c'est pas mal. J'ai pas une chute comme ça, j'aime pas entamer les feuilles, ça m'énerve. Dans les fleurs, si elle était dans les fleurs, on disait qu'elle était dans les fleurs. Tiens, allez, hop, si, on va la mettre dans les fleurs. Bah, si. Allez, voilà, c'est des fleurs. On va la mettre dans les fleurs, on disait. Alors, je vais mater. Hein, je vais mater, c'est pour que ce soit moins triste, n'est-ce pas? Alors, c'est donc 10-15. Donc là, je vais prendre 9 et demi. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, Angélique? Mais qu'est-ce qu'elle va faire? J'aime bien parce que je ne dis jamais rien à ce que je fais. Ça doit être énervant, non? Ouais, de toute façon, je sais que vous allez à la fin pour regarder. J'aime bien parce que des fois, je regarde. Évidemment, je regarde, j'ai que ça à faire. Si, je travaille à peine, moi. Je travaille pas beaucoup. Et donc, si, je regarde, dès que je mets une vidéo, je regarde les messages, les machins, les trucs. Et à peine j'ai mis la vidéo, les gens, ils ont déjà mis le pouce en l'air et ils ont déjà tout vu. Hein. Si,
Je sais pas comment ils font. Mais comment vous faites? Vous avez un secret, non? Je ne sais pas. Ouais, mais non, non. Vous avez un secret, si. Je ne sais pas comment vous faites parce que moi, quand je regarde mes vidéos, elles durent une plombe. Et puis, bah, je mets une plombe, quoi. Je mets pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. Hein. En 2 minutes, j'ai déjà des commentaires, des machins, des trucs. Si, je ne sais pas. Ouais, c'est parce que vous regardez en accéléré, quoi. Vous regardez la fin, vous écoutez 2-3 trucs comme ça en plein milieu. Bah, si, mais si, vous pouvez me le dire. Ça, c'est pas grave. Voilà, je comprends. Hein. Vous n'allez pas m'écouter pendant une plombe. Hein. Si, ça me fait rire. Mais c'est... Donc, du coup, voilà, vous regardez en accéléré. Mais alors, c'est même pas accéléré, ça. C'est carrément. Bah, si. Si. Les gens, ils vont directement à la fin. Mais je vous en veux pas. Hein. Je dis ça, c'est parce que c'est la vérité. Ah si, ah si, c'est la vérité. Alors, pour ce faire. Ah oui, alors je voudrais vous montrer un truc avant de faire tout ça. Parce que là, je vais la mettre dans les fleurs. Alors, elle va pas ressortir, mais je vais la mettre en 3D. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. J'ai droit quand même. Non, alors je vais mettre. Ah oui, non, je voudrais vous montrer à faire un truc avant. Enfin, je voudrais vous montrer à faire un truc. C'est cela. Alors, vous prenez une... Vous prenez... Enfin, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je prends du ruban. Ouais. Alors, je prends du ruban rouge. C'est parce que je veux assortir ces vêtements au rouge. Je vais prendre du rose, du rouge et tout ça pour faire son maillot de bain et tout ça. D'accord? Bon. Alors, enfin, d'accord. Alors, je vais prendre un bout de ruban. Là, c'est du satiné rouge. Mais vous prenez bien le ruban que vous voulez. Hein. Alors, ça, c'est un truc qui est emballé, je ne sais pas quoi. Je sais rien, je sais pas. Alors attendez, je vais prendre juste ce qu'il me faut en fait. Je vais faire la radine. Ah si, je vais faire la radine parce que le nœud là, il est magnifique et je m'en servirai pour autre chose. Alors est-ce que ça coupe ces ciseaux là? Parce que j'ai 36 000 ciseaux, mais il n'y en a pas rien qui coupe, bien sûr. Ah si, ça va, j'ai rien dit. Alors donc, je prends un petit bout de ruban comme ceci. Ah, d'accord. Si. Alors ensuite, je vais prendre une bande. Ah ça, c'est de la chute. C'est de la chute. Et il faut que ma chute, elle soit plus petite que la largeur de mon ruban. Alors, j'aurais pu prendre du rose aussi. J'aurais pu prendre, tiens, du... Ben, je vais le faire sur les deux, comme ça, je prendrai ce qui me va le mieux. Hein, alors, ensuite, donc, vous voyez, il faut que ma bande, elle soit donc plus petite que le ruban que je vais prendre. D'accord? Ensuite, je vais mettre du double face, là. Alors, du double face, mais pas 3D, hein, du double face, d'accord? Hein, bon. Alors, je vais mettre du double face, comme ça, si, sur la bande. Alors, c'est pas intelligent ce que j'ai fait parce que, ouais, c'est comme d'habitude. Parce qu'il faut que ça fasse la largeur de ça, c'est tout, point barre. Hein, pas besoin d'en mettre 15 mètres. Ben, c'est un ciseau qui coupe le téflon, là. Ouais, j'ai même pas mesuré. Je mesure jamais. Ouais, ben, c'est pas nouveau. Voilà. Donc, hop. Hein. Voilà. C'est très mal fait, mais c'est pas grave. Hein. C'est juste. Hop. Hein. Je pose mon ruban sur mon machin. Hein. Alors, hop, comme ça, je centre. Quel côté je mets? Bon, son fiche, c'est pareil. Il est de la même... Alors, hop, voilà. J'ai collé mon ruban. D'accord? Je vais couper juste parce qu'en fait... Parce que je sais pas lequel je vais utiliser. Hein, je ne sais pas encore. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai mis un... Voilà, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va l'embosser. On va l'embosser à froid. Alors, parce que vous savez, chez Action, ils vendent ces trucs-là, là. Et ça, c'est pour embosser le bord de votre carte, etc. Bon, il y avait ça. C'est des exemples que je vous donne, hein, que j'ai. Alors, ça fait des plus petits. Et ça fait des rayures. Alors, on essaye. Je ferai les plus petits sur du rose et les rayures sur le rouge. Ça se trouve, je vais même utiliser les deux, dites donc. Si, je vais faire rose et rouge, ce sera magnifique, magnifique, magnifique. Donc, je vais faire des rayures sur celui-là. Je pose mon ruban dans ma plaque à embosser et je vais l'embosser à froid comme on embosserait du papier. Et puis c'est tout, hein, il n'y a rien de... Hein, mais si, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je vais faire ça, donc... Alors, vous avez vu, lui, il est comme ça à la base. Hein, à la base, c'est comme ça, voilà. Hein, et donc, j'embosse. Alors moi j'embosse avec ces petites plaques là, mais vous pouvez embosser avec n'importe quelle plaque. Hein. C'est pareil, hein. C'est pas spécialement connu. C'est pas nouveau hein, de faire ça. C'est juste qu'on pense peut-être pas à le faire, on pense plus. Et regardez, donc ça me fait un papier embossé avec des rayures. Voilà. Hein, ben si. Alors là, je vais le coller là derrière. Hein. Je vais le. Parce que je veux que ça soit net. Donc je mets. Du double face ici, ça va être là. Ça fait, c'est bon. Là, j'ai pris ce ruban là, c'est peut-être pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Vous pouvez le faire avec
Vous avez compris, avec d'autres rubans, peut-être un peu moins festif, là, ça fait très fête. Mais si, c'est la fête. Elle est partie mettre son bikini. Un petit bikini. Si, si. Tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un petit bikini, petit bikini. Un bikini rouge et jaune à petits pois. Un, deux, trois, elle craignait de choquer qui? Ses voisins et ses voisines. Naninaninana. Alors là, je, si, je rabats. C'est pour que j'ai juste une jolie, magnifique. Mais si, je fais ça. Et puis donc là, je vais coller ça. Là, j'avais pris les bonnes dimensions. Je vais la mettre là. Je vais mettre là. Hein, je vais faire ça. En fait, je sais pas, je fais ça. C'est vraiment pour vous. C'est une carte un peu bizarre. Hein, je vous l'accorde. Hein. Je vous accorde que ça va être un peu bizarre comme carte, mais on s'en fout. On a le droit. On sait ce qu'on veut. Donc voilà, hein? Voilà. Ensuite, alors bougez pas. Ouais, je pourrais couper à la fin. D'habitude, je coupe à la fin. Voilà, hop et hop. Toc. Voilà, c'est tout beau. Ensuite, on va tester avec le rose là. On va tester avec le rose sur du plumeti. Avec le plumeti. Hein? Alors, sinon, on le range, on est content. Hein? Ils sont super hein, ces tamponnages et tout ça là de chez Action. Hein? Ils sont très très jolis. Hein? Si, ils sont très jolis, c'est très joli. Alors là, donc je recommence, il me faut une chute. Alors, il faut que ce soit plus petit, hein, on est d'accord. Hein. Donc là, le ruban, il fait combien? Un de ces beans, j'ai à peine commencé, hein, je vous dis pas, il n'est pas fini le tuto, du tout. Enfin, le tuto. Ouais, tuto, c'est une carte. Alors ça fait, on a dit, ça fait quoi? Un centimètre et demi. Donc là, je vais faire une bande de 1 centimètre. Hein. Voilà, une petite bande de 1 centimètre. Voilà, hop. Là, je vais donc mettre du double face, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Bon, ça c'est un peu plus grand, mais ça n'a aucune importance, je vais faire ça quand même. Si. Voilà. Ensuite, je retire la pellicule. Vous voyez, hein, vous posez votre ruban sur un bout de papier. Peu importe, d'accord? Je vais cramer tout de suite le bout là. Hop. C'est pour que ça s'abîme pas, hein, parce que ça c'est un peu embêtant si ça s'abîme. Donc là, je mets mon ruban dessus, hein, bien, comme il faut. Mince. Voilà, hein, on est content, hein, on fait ça, on est content. Voilà, hop. Voilà, de toute façon, là, je ne vais pas tout utiliser parce que je veux juste la largeur de ça. Je vais reposer comme ça par-dessus hein, pour cacher un peu le rouge qui est un peu trop pétant à mon goût. Hop, et je mets ça dans ma plaque. Alors, vous voyez, il est comme ceci, hein, il est tout à fait lisse. Hein, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, n'est-ce pas? Je mets ça dans ma petite plaque à embosser, donc plumeti, hein, si. Je fais ça, hop, et je passe cela dans ma Big Shot. Je fais ça, hop, et j'écrabouille et je vais faire des plumes. Admettons. Alors ça, est-ce que ça a fonctionné? Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Il n'y a pas. Ah bah voilà. Oh, c'était tout mignon. Bah si, c'était tout mignon. Hop. Et donc là, nous avons des plumetis. Oui, on voit bien. Hein? Mais si, on voit très bien. C'était tout mignon. C'était tout mignon. Alors pour ce faire, je découpe donc comme ceci. Et là, je vais mettre un petit bout de scotch machin, je vais le mettre. Là, je fais un peu n'importe quoi. Si. Hop et hop. Voilà. C'est juste pour vous montrer tout qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça. Tout qu'est-ce qu'on peut faire. Avec les petits rubans, là, c'est sympa, c'est mignon. Tatati, tati, tata. Alors, je regarde un peu ce qu'il me faut comme distance et je vais couper juste ce qu'il me faut. Hein, voilà, là je coupe là. Voilà. Donc pour ce faire, je retire là l'épaisseur de machin. Et là, je pose donc mon petit ruban rose. Moi, c'est vrai que la fille avec son maillot de bain. Non, mais c'est parce que en fait, c'est pas un maillot de bain qu'elle va avoir. C'est une robe. Je vais y faire une robe.
Bon voilà, non, alors là c'est bon, hein, on est d'accord que c'est pas la plus belle bande de machin. C'était juste pour vous montrer que nous pouvons embosser donc à froid du ruban, hein, pour lui donner un petit effet comme ça, tout mignon, si on veut faire des machins. Ben, si vous faites ça, puis vous dites que vous êtes content, comme d'habitude. Donc ça, voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, donc, la petite poupette là, elle est où? Viens ici toi. On va donc la biller. Alors, hop, on la met là. La tronche qu'elle fait, je vous dis même pas, dépressive elle. Oh, elle est complètement dépressive. Si, si, c'est vrai. Là, je vais mettre un sentiment à la fin. Hein. Je sais pas. Tu es formidable. Oui, tu as osé. Ose. Ah bah tiens, je crois bien. Où est-ce qu'ils sont, ces trucs-là? Je vais le sortir maintenant. Vous avez fait une planche où il y avait un sentiment qui était marqué comme ça. Si, si, c'était marqué ose, je sais pas quoi, machin truc. Si, 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 si. Rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. On va mettre ça, tiens. Ça ira bien avec le fait qu'elle est la chanson. Si, ne perds jamais espoir. Parce que vu la tronche qu'elle a, bah si. On mettra un truc comme ça, tiens. Hein? Si, mais si. Et si on mettra ça, si, tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais le sortir tout de suite, le sentiment. Ça sera fou. Ben si, je peux. Attendez, j'en avais déjà découpé. Qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur de viser la lune pour atteindre les étoiles. Non, c'est pas le thème. Un petit vitamine, petit bikini, rouge et jaune à petit pois. Bon, ben là, ça sera rouge et rose. Bon, évidemment, ben, je vais couper. Arrête, je vais mettre celui-là, là. Je vais mettre celui-là, j'ai droit. Je vais mettre de suite. Alors, pour ce faire, je vais recouper là. Je vais le mettre tout de suite. Pourquoi? Parce que je cache ça. Non, parce que c'est pas très beau. Non, c'est pas très très beau. Non. Il faut dire ce qu'il y a. Si, il faut dire ce qu'il y a. C'est pas terrible. Hein, la couleur, le rouge pétant comme ça. C'est ça. Si. Mais c'était juste pour vous montrer. Si, vous avez compris. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ça va s'arranger. Hein, car il n'y a jamais rien de loupé. Maintenant. Donc, bah non. Je vais mettre ça comme ceci. Alors là, c'est pas coupé droit non plus. Je suis en forme aujourd'hui. Non, mais déjà hier. Hein. Je suis dans une période de transition. Non, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Hein. C'est ça. Ti-da-da. Non, alors là, ce temps-là, moi, ça me. Oh là là. Je crois que c'était déjà comme ça hier, peut-être. C'est peut-être pour ça que je suis pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas. Je sais pas, comment vous dire. Est-ce que je le mets sur du rouge pour faire rouge, rose, rouge, rouge? Là, si on veut. Tiens, je vais faire ça, je le fais de toute façon. Alors, si. Un, deux, trois. Si, si, ça sera gai parce que c'est beau, rouge et noir. Hein. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Je sais, c'est horrible. Bon, pour l'instant, on n'a rien fait. Non, bah non, je sais. Je sais, je sais. Oh là là. Si, on a embossé du ruban à froid. Vous saviez? Bon, il y en a, bien sûr, elles savent le faire. Hein, c'est pas nouveau. Hein. Mais il y en a qui ne savent pas ou qui n'y penseraient pas. Ça change un petit peu. C'est original. Si, c'est original. Mais si, c'est original. Oh là là. Alors, si. Alors. Je vais mettre donc du 3D là pour les sentiments. Les sentiments, j'aime bien les mettre en relief. Si, il faut toujours exprimer en relief. Si. Alors, il y en a partout, bien sûr. Il y en a foutu partout, bien sûr. Je vous dis que je vais très très bien aujourd'hui. C'est formidable. Si. Je fais n'importe quoi. C'est ça. Oh là. Bref. Oh là. Oh là. Oh là. Je sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, je vous dis. Je mettrai en dernier. On va le laisser sécher tranquillement parce que j'en ai foutu partout. C'est horrible. C'est possible que je recommence tout. Si, c'est tout à fait possible. Alors, pour ce faire. Donc, on a dit qu'elle, on allait lui mettre un maillot de bain. Alors, pour ce faire, donc on prend le maillot de bain. On va le découper dans la couleur que l'on veut. Alors, qu'est-ce que je lui fais? Qu'est-ce que je lui fais? Qu'est-ce que je lui fais? Alors, du coup... Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est assez large? Ben c'est parfait, mais c'est parfait. Je vais lui mettre un joli maillot de bain rouge, comme ça, ça va bien ressortir. Hein, je fais ça, je découpe le maillot de bain. Alors, vous prenez la couleur que vous voulez. Vous lui faites le maillot de bain de vos rêves.
Bon, elle aura un maillot de bain rouge. J'aime beaucoup le rouge. Elle a un rouge et jaune à petits pois. Ouais, rouge et jaune à petits pois. Donc, on lui fera des petits pois jaunes. Hein, bon, les petits pois et les lardons, c'est bon. Mais là, c'est pour l'habiller. Alors, pour ce faire, donc, on va lui mettre le petit maillot de bain. Donc, on va faire ça. Donc, je vais la mettre en 3D. Donc, je... Évidemment, comme il faut que je l'habille, n'est-ce pas? Je vais donc lui couper les bretelles. Si, je lui coupe les bretelles pour qu'on ne les voie pas. Pourquoi? Parce que... Enfin, je lui coupe. Non, je ne lui coupe pas. Attention, hein, je lui mets derrière elle. Hein. Hop, et j'ai fait repasser devant. Si. Ben, si, c'est devant. Est-ce que ça fonctionne si on fait ça? Ou est-ce qu'il faut carrément que je les coupe? Ben non, je vais couper. Ça lui fera un petit bustier, puis c'est tout. On disait qu'elle avait un petit bustier. C'est mignon, ça s'appelle lui mettre un... On va lui mettre sur la tête. Ben si, regardez, ça fait nœud, ça fait un serre-tête. Mais si, ça fait un serre-tête. On disait qu'on lui mettait un serre-tête, puis c'est... C'est n'importe quoi. Alors, je sais. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je la mets en 3D, moi. Si, je la mets en 3D. Alors, hein. Alors, oh, la tronche qu'elle fait. Oh, là, elle me déprime, celle-là. Hein. On a beau essayer de lui faire plaisir, hein, de la faire belle et tout, mais elle fait toujours la tronche. Si, alors, si... Je vais la mettre là comme ceci. Mais sois pas triste, ça va s'arranger, écoute. Mais si, ça va s'arranger. Alors ça, ensuite, je lui mets le maillot de bain. Hein, on fait ça. On lui fait des petits pois jaunes sur son maillot de bain. Rouge et jaune à petits pois. Ça dit rouge et jaune à petits pois, c'est pas terrible. Ça ferait un slip moche. Si, si. Si. Rouge et jaune à petits pois, moi j'aime pas. J'aime pas, j'ai droit quand même. Alors, pour ce faire, je lui mets son maillot de bain. Hein. On disait qu'on lui mettait son maillot de bain. Voilà. Voilà, ben si. J'ai peut-être mis un peu haut, là. Je vais peut-être lui baisser un petit peu. Hein. On lui met un peu plus décolleté, quand même. Ben si. Alors, pour ce faire, on lui met un peu plus décolleté. Hein. Voilà. Hein, c'est bien comme ça. Si, elle va être charmante. Si, elle va être charmante. Bon, elle a pas de bras. Mais... pas de bras, pas de chocolat. Ouais, bah tant pis, elle a pas de bras, elle a pas de bras. Ensuite... Donc, pour ce faire, oh, puis mon chat, il est malade, il est remalade, il revomit partout. Alors, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Alors, le chien, il va un peu mieux. Là, c'est le chat qui prend le relais. C'est pas possible, ils doivent se passer. Je sais pas. Donc, je vais prendre ça, là, qui est censé être le parasol. Bah, ouais, bah, moi, ça sera pas le parasol, ça va être la robe. Si, bah, si j'ai le droit, je vais faire une robe comme ça, j'ai le droit. Alors, je vais faire une robe à trois volants. Alors, je vais faire un volant rose. Ah, si, je sais, c'est bizarre comme idée, mais je vais faire ça quand même. C'est tout, j'ai pas. Alors, je vais faire un volant rose. Voilà, un rose. Faire rouge et rose, comme pour aller... Regarde-moi ça, la catastrophe, là, mon sentiment, là. Je suis énervée. Regarde-moi ça. Oh là là, bon, bref. Je suis énervée parce que ça a tout... Je recollais un par-dessus pour que ça fasse... Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mis trop de colle. Oh là là, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je suis énervée de moi-même. Si, je suis énervée de moi-même. Donc. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait du dernier? Il est tombé, bien sûr, je ne sais pas où, hein, bien sûr. Là, hop là. Alors. Donc. Hop. Donc, nous allons l'habiller avec une robe. Alors, premier volant. Rose, elle va être sublime. Oh, si, elle va être trop belle. Ben, si, elle va être trop belle. Donc, du rouge. Hein, un coup de rouge. Un coup de rouge. Je sais pas. J'arrive à rien aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'arrive à strictement rien. Alors, oh, c'est horrible. Oh, quand je suis comme ça, que vont vous dire? Vous aussi, ça, vous avez des périodes comme ça. Si. Vous croyez que tout va bien, mais tout va mal. Si, tout va mal, tout va mal. Ça va mal. Hop là, un coup de rouge. Hop. Et un coup de rose. J'ai le même ou pas? Je vais refaire le même. Ben, si. Je vais refaire le même. Est-ce que ça peut le faire? Évidemment, ça va gâcher. Ça va gâcher. Il ne faut pas gâcher. Je vais faire comme ceci. Hop. Elle est très très jolie. Hein. Ah si, ah, je vous assure, elle est très très jolie. Elle était si jolie.
Pourquoi ça marche pas? Je vais mal, je vais mal. Elle était si jolie. Alors, restons calmes. Elle était trop jolie. Oh, elle est sublime, sublime, elle est superbe. Alors, si, je vous l'avais dit. On peut lui faire des lunettes de soleil et tout ça. On l'habille, non? On lui met des lunettes. On lui a pas mis de petite culotte parce qu'elle a déjà le maillot de bain. Oh, ça suffit. Alors, pour ce faire, donc, vous voyez, donc là, je vais couper. Enfin, non, c'est pas nécessaire parce que je vais lui mettre un joli petit nœud, bien sûr. Hein. Alors, ouais, après, vous faites comme vous voulez. C'est comme des... Je suis énervée, là. Oh là, je suis énervée. Il va falloir tout que je recommence le sentiment. Je l'ai carrément raté. C'est horrible. Ça m'énerve quand je fais, quand je rate mes trucs. Vous voyez, tout le monde peut rater, même les pros. Ouais, vous avez compris quoi. Bah si. Alors pour ce faire, c'est ça. Non, mais aujourd'hui j'y arrive pas. Si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc, elle était si jolie. Je mets du double face parce que j'ai pas envie de mettre de colle là parce qu'aujourd'hui j'ai du mal avec la colle, hein. Et quand ça va pas avec un truc, en général, faut pas trop insister non plus, hein. Bah non, faut pas trop se prendre la tête, hein. Alors, hop, une première couche, hein, je vais faire une jolie robe à volant. Ah ben si, c'est très... Une robe parasol, c'est la nouvelle mode. Si, on s'en fout, on a le droit. Hop là, là je vais y mettre comme ceci. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh, magnifique, magnifique, elle est sublime, sublime, sublime. C'est une robe qui tourne. Vous croyez qu'après, elle va plus faire la tête, hein, si on lui met une jolie robe? Bon, sûrement, hein. On va retrouver le sourire. Ben si. On va lui redonner le sourire. Ben si. Moi j'aime bien, j'achète les dailles pour. Je fais n'importe quoi. En plus, je fais n'importe quoi parce que je vois pas du tout le rapport avec les fleurs, le noir. Il n'y a aucun rapport. C'est ça l'art. C'est ça être un artiste. Oh, ça me fait trop rire. Merci. Merci, ça vous fait pas rire. Merci. Oh là là. Il est où son serre-tête? Hein? Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous l'avez vu? Ah, mais il est là, son serre-tête. Bah si, on va lui mettre un serre-tête sur la tête. Hein. Ah bah si. Ah bah si. Et puis, on lui met des claquettes. Avec une jolie robe. On va lui mettre des claquettes. Bah si, on va lui mettre une paire de claquettes. Et puis, on peut lui mettre un palmier sur la tête. Si on lui faisait un palmier sur la tête. Hein? Si. Ah si, on lui coupe sa natte. On lui fait comme si elle avait un palmier sur la tête. On peut faire ça. Ah si, on peut. Hein. Ça serait joli un palmier sur la tête. Si. Moi, je m'en faisais des palmiers sur la tête quand j'avais les cheveux longs. Si. On se faisait les queues de cheval vachement en l'air, là. Ça nous faisait des palmiers. On appelait ça un palmier. Mais si, ça doit vous rappeler des souvenirs, les filles. Mais si, on faisait ça. Regardez, elle a une jolie robe. Hein. Elle est magnifique. Si, elle est magnifique. Elle est très, très belle. Bon, alors, elle n'a pas de jambes et elle n'a pas de... Elle n'a pas de jambes et elle n'a pas de bras. Ouais, bah on disait qu'elle avait les jambes. Vous faites une robe longue. Hein. Vous voulez qu'on rajoute? Allez, on la rallonge. Hein, on la rallonge. Mais si, on la rallonge. Alors, bah si, hein, maintenant on la rallonge. Ah, si, parce que j'ai pas pensé avant. Si. On va lui faire une robe longue. Si. Et nous, mon truc. Hein. Je sais pas. Je suis n'importe quoi. Il est où mon dail? Je l'ai perdu. Si, j'ai perdu mon dail. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas où il est. Bah, il est où? Bah, c'est fou ça que j'en ai fait. Je sais pas. Vous le voyez, non? À l'aide, au secours. Ah, au secours. Ah. Bah, il est où? Il est où mon dail? C'est fou ça quand même. Pourquoi je le trouve pas? Je ne sais pas. C'est là, non? Non, non plus. Ah, zut! C'est un peu embêtant cette affaire. Je ne sais pas où il est mon dail. Alors, pour ce faire. Pour se faire. Je sais pas, mais il faut que je le trouve quand même. Enfin. Meilleur de l'année, celle-là encore. Bah. Il est là? Il est où? Je l'ai fait tomber? Je suis à quatre pattes par terre, hein, je vous dis pas. Alors, je sais bien que je vois plus rien. Certes, certes, je ne vois plus rien. Certes. Ça ne s'arrange pas. Je vais bientôt être là. Bientôt, bientôt, je m'arrête de travailler, hein. Je m'arrête de tout faire parce que ça va plus du tout. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Ah ben alors, Angélique, ah ben je l'avais rangé, vous pouvez pas me le dire quand même, hein? Non, mais non, mais non! Alors, pour ce faire. Oh,
Je cherche un bout de rade. Ben voilà, j'en ai retrouvé. Non, mais parce que je veux rester dans le rouge rose. Ben si, je veux rester dans le même truc. Alors, toc. J'en ai une là. J'en ai une d'avance. Alors, toc. Ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. C'est ça. Alors hop, donc vous faites parce que je veux pas qu'on voit qu'elle a pas de pieds, bon qu'elle a pas de bras, elle peut les avoir derrière son corps, hein, admettons, hein, mais pas de jambes, c'est un petit peu plus compliqué. Si, si. Expliquer à quelqu'un qu'elle a une robe et tout ça, qu'elle est debout et sans jambes, debout sans jambes, ça paraît un peu bizarre quand même. Ah non, quand on n'a pas de jambes, on ne peut pas être debout. Hein. Enfin, je sais pas. Moins d'un miracle, hein, d'aller à Lourdes, mais je sais pas. Ça doit pas. C'est pas possible, ça. Maintenant, ça n'existe pas. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai 36. Oh, mais pourquoi je suis en 3D? Oh, je fais n'importe quoi. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Elle est magnifique, ma robe. Si, elle a la plus belle robe de... Alors, vous pouvez faire une robe de princesse, une robe de mariée. Ah, c'est comme d'habitude. Vous savez, on avait fait, il n'y a pas si longtemps, on a utilisé les pétales de rose pour faire des robes. Et bien, vous voyez, vous utilisez les ombrelles de parapluie, les ombrelles de solaire, là. Et puis, c'est pareil. Vous faites des jolies robes et puis c'est tout. Mais si, oh là là. Voilà, hop, j'en rajoute encore parce que ben, il n'y en a pas assez. Elle n'est pas assez longue. Hein. Alors, si, moi, ouais, à peu près une heure pour faire une robe à parasol. Si, c'est une nouvelle mode. Elle était ainsi jolie. Sur la plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine et elle craignait de choquer ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit tibitini wini, tout petit petit bikini, son bikini rouge et jaune à petits pois. Un tibitini wini, tout petit. Petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Cette histoire est terminée. On peut la recommencer. Si ce n'était pas drôle, oui, je m'en excuse. C'était pas ça. J'ai pu commencer les paroles. Si cette histoire n'est pas drôle. Eh bien, je m'en excuse. Alida, 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 da. Maintenant, c'est terminé. Une rose. Il est où, mon rose? Là. Hein. Je suis en train de tout chercher aujourd'hui. C'est une catastrophe. Mais il paraît que qui cherche, trouve. Si. C'est ça. C'est le tuto de la loose. Ah, si, il y a des jours comme ça où tout va mal. Et c'est un jour comme ça. Si. Oui, c'est comme ça. La 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 la. Ouais, je veux pas t'abandonner, mon bébé. Je veux pas t'abandonner, tu sais. Ouais, c'est pas que je veuille te nuire, ni que je veuille m'enfuir. Et ma papa, bah, tu sais, c'est vrai. Ouais, ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Je sais, c'est une catastrophe. Ouais, je sais, ça va mal aujourd'hui. Ouais, ça va mal ce soir. Ouais, nanana. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Tidana, c'est tout à fait normal. Si. Lali, 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 je suis amoureux de ma femme. Là, c'est bien. Donc là, je vais mettre un petit nœud pour faire la ceinture. Hein. C'était tout mignon. Bah si, on disait que c'était mignon, puis c'est tout. Alors, donc là, je vais refaire. Non, je vais refaire le sentiment, là. Franchement, je suis énervée. Si, je suis vachement énervée. Ça se voit. Hein. Si. Alors, pour ce faire, tu me lâches, toi, ouais. Alors, donc. La 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 la, c'est tout à fait normal. Lalila, lalila, je suis amoureux de ma femme.
Tiranine, tiranine, moi j'ai envie de l'embrasser, de la faire lui revolter. Ouais, c'est une dame, je suis amoureux de ma femme. Tiranine, tiranine. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Je vais mettre n'importe quoi. Si, lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Voilà. Parce que vu qu'elle fait la tête et puis que j'ai pas du tout envie de chercher. Tout peut convenir pour quelqu'un qui fait la tête. C'est tout. Tout peut convenir, n'importe quoi, du moins que ça marche. N'importe quoi, pourvu que ça marche. N'importe quoi, mais oui, mettez n'importe quoi. Je sais. Alors, pour ce faire, donc je vais mettre ça comme ceci. Alors, on recommence, hein. Rebelote et 10 de DR. Si. Alors, maintenant, le sentiment est trop long. Si. Oula. Donc, je vais pas faire la même bêtise, n'est-ce pas, hein? Non. Non, non, je ne vais pas faire la même bêtise. Là, je vais mettre du double face. Hein, parce que, étant donné que je suis très douée aujourd'hui, on ne va pas utiliser la colle que je déborde et tout. J'en fous partout. C'est bon. Ça commence à me. Si. Vous avez compris, quoi, que ça commence à me srigner un peu. Allez, je suis amoureux de ma femme. Donc. Oh là là. Il n'y a rien qui va. Je vous assure, il n'y a rien qui va. Si. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Oh là là, mon chat. Oh non, il n'arrête pas de vomir. C'est une catastrophe. Ah, c'est ça qui me prend par là. Ma roubouille. Ça va pas du tout. Hein. Ben oui, je sais, mon cœur. Ça va pas. Aïe, 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 aïe. Il n'arrête pas de vomir. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, il va pas bien du tout. Pardonnez-moi, je vous laisse. Ça va pas du tout. Me revoilà. C'est la misère. Mon petit chat est très, très, très malade. Donc, il faut que je lui donne un liquide, etc. Et puis, il n'arrête pas de tout vomir. Bon, bref. Je suis désolée. Alors, je vais finir ce tuto. Alors, donc, j'ai fait quoi? J'ai rien fait, du coup. Alors, je vais remettre ce sentiment-là. J'ai mis un peu n'importe quoi parce que là, je vous avoue, oh là, j'ai de la, c'est, de la c'est du plâtre pour son estomac, là. Mais je vais le laisser à jeun pendant. Je donne. Soi-disant, il ne faut pas donner de lait au chat. Moi, je lui en donne un peu. Parce que s'il ne boit pas de lait, il n'a rien dans le ventre. C'est un peu. Il a faim. Parce qu'il a faim, il réclame quand même. Mais dès qu'il mange, hop, il vomit tout. Alors. Puis alors, c'est comme nous, vous savez. Enfin, je sais pas. C'est très intéressant comme conversation. Non, mais c'est parce qu'en fait, on mange 100 grammes, on en vomit 400. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, je ne dis pas que c'est bon, ramasser les vomis. Et puis même pour lui, quoi, c'est sa galère. Après, quand il n'y a plus rien, c'est la bile et tout. Enfin bon, ouais, je sais, c'est vachement... Ouais, c'est pas très gai. C'est pas très gai, ben non. Alors, voilà, voilà. Mais si... Voilà, laine robe longue avec un parasol. Si, si on disait que c'était bien. Si, ben si, vous dites que c'est joli. Mais je pourrais très bien couper les pointes, là. Je pourrais très bien faire ce que je veux. Si je, pourrais. Si je coupais les pointes, là, ça ferait une robe, une autre forme de robe. Hein, hein, on pourrait un peu tout faire. Si, on fait la robe parasol de nos rêves. Je vais lui mettre le serre-tête sur la tête, là, parce que j'ai droit. Si, j'ai dit que je mettais un serre-tête sur la tête avec le petit nœud de la robe, là. Si, si, ça fait un serre-tête. C'est soit ça, soit un collier. Hein. Vous voyez? Mais je préfère le serre-tête. Moi, je vais mettre un serre-tête, puis c'est tout. Alors, donc, je mets un serre-tête. Nous la parons de mille feux pour, je sais pas quoi, pour le bal du camping. Si, Miss Camping. Si, ça va être Miss Camping, on a dit. Si. Alors, Miss Camping, donc, on va lui mettre le serre-tête sur la tête, comme ceci. Si. Ah, tiens, je vais mettre comme ça. Mais si, je mets le petit nœud. Si, ça fait superbe. Si, ça fait superbe. Si.
On dirait Mistuche. C'est. Ah, faut avoir vu le film pour comprendre. Hein. Mais bon. Alors, donc, ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre là sur cette affaire? Pas grand-chose. Juste embosser du ruban comme ça à froid. Utiliser ça, nanana. Bah, ce sera tout pour aujourd'hui parce que je vais aller voir m'occuper de mon petit chat. Pardonnez-moi. Voilà. Hein, on disait que c'était fini. Ouais, je sais. C'était un peu laborieux pour faire ça, je sais. Ouais. Alors, pour ce faire, j'arrondis les angles. Non, j'arrondis pas les angles. Non, je fais pas. J'arrondis pas. Non, mais c'est tout. Mais elle est jaunie. Mais si, elle est jolie. Puis là, bon, j'ai mis ça. Ça n'a rien à voir avec avec la robe. Mais c'est parce que voilà, je voulais juste faire comme ça. Bon. Je sais, tout ça pour ça. Ah ouais, je voulais lui faire un palmier sur la tête. Vous pouvez faire un palmier sur la tête comme ça, avec ça, là. Vous lui mettez sur la tête, là. Vous la changez de coiffure, hein. Vous lui faites un. Si, vous lui faites un palmier sur la tête. Si, ça peut être rigolo, hein. Et puis, on peut lui mettre des lunettes de soleil. On regarde si ça lui va, les lunettes de soleil. On lui met des lunettes de soleil, juste comme ça pour finir. Des lunettes noires? Bah, si, des lunettes noires. Est-ce que j'ai une chute de noir là-bas? Super, je vais voir ça. On disait qu'on lui mettait des lunettes noires. Alors, pour ce faire, si je lui fais des lunettes noires, j'ai droit. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça va faire comme lunettes. Je n'ai jamais utilisé, hein, jamais fait, hein, jamais. Hein, je ne sais pas. D'ailleurs, si, elles sont là. D'accord. Alors, on lui met des lunettes de soleil. Hein. Ah si, on lui met des lunettes. Oh, c'était tout mignon. Mais si, c'était tout adorable. Regardez. Si. Alors, je vais lui mettre des lunettes de soleil. Ah bah voilà, comme ça, on ne voit plus qu'elle fait la tronche. Bon, les lunettes, elles sont un peu grandes pour. Non, ça va. Allez, hop, on lui met des lunettes. Si, mais si on la déguise. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, j'arrive pas avec la colle. C'est horrible. Si, c'est horrible. Alors, je lui mets des lunettes. Hein, comme ça. Ah, mais si, elle est magnifique. Allez. Superbe. Mais si. Si, regardez. Hein, mais si, ça lui va trop bien. C'est horrible. Non, mais vous dites que c'est très bien. Si. Donc, voilà. Pouf, pouf. Après, vous pouvez lui mettre les claquettes aux pieds. Hein. Bah, si. Hein. Vous pouvez. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme misère? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme misère? Ah non! On va lui. Ah bah, si, je sais ce qu'on va faire. Si. Ah bah, si. Parce que j'avais dit que je mettais une ceinture là pour faire un petit nœud. Je vais couper une bande. Là. Alors je fais comment? Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Ah mais j'aurais voulu couper ça dans du. Ouais, là je suis peut-être un petit peu. J'avais embossé comme ça du plus petit. Mais je vais essayer de faire une bande. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc je l'ai mis. Ouais, je ne sais pas. Je vais faire ça. Ah mais ça, non, ça ne va pas aller. Non, non, je ne vais pas faire ça. Ça ne va pas le faire. Je voudrais tester, voir ce que ça fait comme vague. Ils l'ont fait là? Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Elle dit vague, je dis vague, je dis vague. Si, je dis vague. J'essaye en blanc comme ça pour voir. Et puis je vais y mettre un petit. Oh là, j'ai failli oublier le petit nœud pour la ceinture. Mon Dieu. Oui, je peux pas compter sur vous. On lui met un petit nœud discret. Je sais pas, genre ça. Si, c'est discret. C'est discret. Mais si. Un rose comme ça. Hein, un rose qui brille. Un petit nœud tout discret comme ça. Mais si, regardez. Mais si, c'est bien. Mais si. Bon, je ne vais pas faire ça. Bon, d'accord. Alors, je vais mettre un petit nœud tout mignon. Hein, on va faire ça. Alors, pour ce faire. Bon, je regarde parce que je vais peut-être lui mettre des vagues au-dessus de la tête. Mais si, on peut. Elle dit vague. Mais si, on disait qu'elle dit vague. Alors, pour ce faire, je vais. Imaginez qu'elle dit vague. J'aurais pu mettre ça sous le sentiment. Ça aurait été plus sympa. Ah là 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 là. Mais si, on aurait pu faire ça. Bah, je ne peux pas compter sur vous parce que je me dis, ouais, ils vont me donner des idées, machin, tout ça. Mais que dalle. Mais non, que dalle. Que dalle. Vous comptez sur moi, quoi. C'est ça. C'est ça. Alors, disons, c'était sympa, ça, comme ça. Hein? Si, regardez. Hein? On disait qu'elle était dans les vagues. Ou alors qu'elle était dans le vague. Si. Oh, bah tiens, ça passe en dessous. Ah bah tiens, voilà. Voilà, c'est très bien. Hein? On va faire ça. Hein? Mais si on fait ça, oh là là, c'est bien. Tiens, ça c'est mieux. Ah maintenant c'est ça qu'il faut. On peut utiliser les deux, hein. Il n'y a rien qu'interdit d'avoir des vagues comme ça. Hein. C'est des grosses vagues. Puis ça, c'est des petites vagues. Bah si. Alors on disait que là, il y avait des grosses vagues. Voilà, par exemple. Et puis là, il y avait des petites vagues. Bah si, en fait, ça, tiens, je passe ça derrière. Hein.
Puis voilà, c'est sympa, mais si c'est sympa. Vous dites que c'est sympa, puis c'est tout. Allez, hop, on fait ça. Peut-être je peux mettre ça comme ça là en dessous, voilà, pour se faire. Bah si, c'est très mignon. Et puis, j'ai dit quoi? Ah oui, un nœud. Je ne vais pas y arriver à mettre ce nœud. Hein. Non, je ne vais pas y arriver à mettre son nœud là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme nœud? Oh, j'en ai peut-être un tout frais, non, ça m'arrangerait. Si, ça m'arrangerait. Alors, pour se faire un petit nœud, hein, un petit nœud tout près là. On a bien ça là-dedans. Alors, donc, tiens, du rose. Non, non, ça, je ne peux pas mettre celui-là. Est-ce que... Ah bah tiens, bah voilà, tiens, c'est parfait ça. Allez, hop, j'en avais préparé un il y a longtemps. C'est, il va très très bien celui-là. Il est très très mignon. Allez, hop, je mets celui-là. Puis c'est tout. Allez. Donc, bon, bah là, on ne met pas les vagues. On disait qu'elle divaguait pas. Ouais, oh, j'aurais pu mettre autour, hein, tout autour comme ça, hein, pour faire ressortir les... Ça me fait envie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous voyez ce que je veux dire, mettre les vagues là comme ça sur le côté, hein? On va pas... Amusez-vous, amusez-vous, si, si, amusez-vous, oh là là. Voilà. Je vais aller voir mon petit chat. Voilà. Voilà, hein, petite vague comme ça. On disait qu'il y avait des vagues comme ceci, par exemple. Il y a des vagues aussi de l'autre côté, mais sont différentes. Bah si, il y a le retour de vague. On disait. Bah si, on disait qu'il y avait retour de vague et puis c'est tout. Oh là là, c'est pas, il y a pas. Hein. On peut, on a le droit, on fait ce qu'on veut. Je fixe rien hein, parce que ça peut très bien changer, vous savez. Et puis là, donc, je mets son petit nœud, là, tout mignon, tout mignon. Hop, alors, avec un petit bout, je vais mettre, j'ai quoi, j'avais coupé un bout de double face, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Si, je fais, ça fait combien de temps? Bah, ça fait une heure pour rien faire. Bah non, ouais, c'est comme d'hab. Et donc, un joli nœud que j'ai failli oublier. Ah bah voilà, hein. Bon, bah voilà, elle est mignonne. Bah si, regardez comme elle est rigolote. Mais si, elle est rigolote. Vous faites ça pour une jeune. Mais si, bon, les vagues sur le côté, certes. Je vais peut-être mettre... Oh, c'est, ça, c'est trop mignon. Mais si, elle est adorable. Mais si. Bon, bah voilà. Vous avez compris, hein. Faites la princesse de vos rêves. Voilà, hein, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, me donnera des supers idées. Mais si, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais aller m'occuper de mon petit chat. Bisous, bisous, ciao.